Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Vous vous posez des questions au sujet des soi-disant objets qui ont été détruits dans le ciel à divers endroits sur votre planète. Alors sachez que nous savons que des spéculations sauvages ont cours au sein de certaines communautés actuellement. Maintenant, nous voulons que vous compreniez tous que votre ciel est rempli de vaisseaux spatiaux de toute la galaxie et d'autres dimensions. Et nous voulons également que vous soyez tous assurés que personne n'a perdu de vaisseau spatial. Quelque chose étant un objet volant non identifié n'est pas forcément un vaisseau spatial. En réalité, nous pouvons vous certifier que c'était des engins fabriqués par vous, les humains. Maintenant, il y a plus de bonnes nouvelles venant de nous autour de cette histoire. Avoir des médias grand public et des représentants du gouvernement, y compris les militaires, qui parlent de la possibilité qu'ils aient pu être extraterrestres, est très bon pour tous ceux qui veulent que les extraterrestres se montent à eux avec leur vaisseau. Vous êtes préparés pour cette expérience. La divulgation douce se produit et continuera alors de se produire comme elle se doit. Encore une fois, la personne moyenne qui ne se concentre pas sur ces choses est en cours de préparation. Ceux d'entre vous qui sont prêts doivent bien sûr attendre que leurs semblables soient suffisamment prêts pour cette expérience. Mais vous pouvez toujours avoir vos propres expériences avec des êtres d'au-delà de votre monde et avec de vrais vaisseaux spatiaux. Et vous avez tous fait un pas de plus vers ces expériences. Vous voyez, ce sont toutes de bonnes nouvelles et vous n'avez pas à vous soucier des spéculateurs qui croient qu'ils ont la seule et unique vérité à tout moment sur ce qui se passe réellement. En fait, nous vous recommandons d'ignorer toute personne qui commence à tracer des lignes entre différents événements qui n'ont aucune relation les unes envers les autres. Vous devez vous concentrer sur vous et sur votre état de préparation à ce contact. Vous devez vous concentrer sur ce que vous devez encore abandonner et sur les endroits en vous où vous devez encore augmenter votre vibration. Ce que vous voulez, c'est une planète harmonieuse, où vivre, où les humains et les êtres outre-terre peuvent marcher côte à côte, et où les voyages dans l'espace seront accessibles à tous. Et ce qui vous rapprochera de la réalité, ce n'est pas de pointer du doigt et de spéculer. Continuez à vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous devez clarifier, ce que vous devez pardonner, ce que vous devez abandonner. Et vous vous rapprocherez continuellement de plus en plus du moment où les vrais navires pourront atterrir et vous pourrez être réunis avec les membres de votre famille de là-haut dans les étoiles. Nous sommes très heureux de vous apporter ce message car c'est un message pour vous faire savoir que vous êtes toujours sur la bonne voie
Et c'est encore un autre pas en avant sur cette voie pour rejoindre votre communauté galactique à titre officiel. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci.